Aujourd'hui, on essaie le Tesla Model X. Qu'est-ce que c'est le Model X? C'est le nouveau crossover de la marque Tesla, avec 7 places à l'intérieur. Mais en réalité, en dessous, on retrouve le châssis, les motorisations et la batterie du Model S, avec une carrosserie beaucoup plus grosse, plus large et plus longue. Un crossover électrique, voilà qui peut surprendre. Mais chez Tesla aussi, on regarde les courbes de vente. Rassurez-vous, le Model X ne cherche pas à concurrencer le Range Rover, mais veut plutôt séduire les familles grâce à ses dimensions généreuses. Si vous habitez en ville, vérifiez les dimensions de votre parking. Ce gros bébé est plus large qu'une Lamborghini Aventador et presque aussi long qu'un Audi Q7. Le clou du spectacle sur le Tesla Model X, ce sont bien sûr ses portières arrière. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Elles s'ouvrent en papillon, un peu comme sur une Mercedes 300 SL. Mais là, c'est pour dégager complètement l'espace arrière et vous permettre de vous installer à bord très facilement. Et comme si cela ne suffisait pas, les portes avant sont elles aussi motorisées. Le Tesla Model X est proposé en configuration 7 places avec banquette centrale ou comme notre modèle en 6 places à siège individuel. L'esthétique y gagne ce que l'habitabilité y perd, mais là aussi le spectacle électrique est au rendez-vous. Sur la pression d'un simple bouton, il s'avance pour libérer l'accès à la dernière rangée. Au demeurant, les passagers sont bien installés et la capacité de chargement reste correcte, même lorsque la dernière rangée n'est pas rabattue. Pour un véhicule de 100 000 euros, le Model X ne fait pas preuve du même raffinement qu'un Range Rover ou une BMW série 7. Le design de l'intérieur est futuriste, mais pas très sophistiqué et la finition n'impressionne pas. Le Tesla a d'autres atouts, à commencer par son gigantesque écran de 17 pouces. Facile à prendre en main, il donne accès à la plupart des fonctions de la voiture. Un aspect intéressant dans le système multimédia Tesla, c'est l'application Spotify. Donc vous êtes en train de rouler ou pas et vous voulez écouter le dernier album de Thomas Fersen, et bien c'est très simple. Vous appuyez sur l'onglet Recherche, vous tapez Fersen, il recherche le dernier album, vous appuyez dessus, vous le jouez et la musique se met en route. Que fait donc en ce lieu? Nous l'avons dit, le Tesla Model X reprend la plateforme et les batteries de la Model S. On dispose donc d'une puissance maximale en crête équivalente à 422 chevaux et surtout d'un couple de 600 Nm. Et encore, il ne s'agit que de la version intermédiaire. Rouler à bord du Tesla Model X et retrouver des sensations de Tesla Model S. Bien sûr, le véhicule est un peu plus lourd, un peu plus gros, mais le centre de gravité reste très bas. Du coup, les accélérations sont très bonnes, la tenue de route est également excellente. Et surtout, on est vraiment surpris par la qualité du confort. Malgré les roues de 22 pouces de notre exemplaire, il y a très peu de remontées, c'est vraiment pas mal. Reste la question épineuse de l'autonomie. Si Tesla annonce 380 km en usage courant, nous avons atteint pour notre part péniblement le chiffre de 250 km essentiellement sur route et en ville. Il est vrai que nous avons roulé par grand froid, ce qui réduit nettement la capacité de la batterie. Contrairement à ce que le discours rassurant du constructeur laisse entendre, l'autonomie reste un enjeu. A noter également que Tesla fait désormais payer l'accès à ses superchargeurs et facture son nouveau modèle à un tarif plus que salé. Autant dire qu'il convient de garder la tête froide avant de se lancer dans cette aventure électrique.